Bonjour tout le monde, Fred. Avec. On va pas super bien parce qu'il fait blanc derrière là. Checkez ça, man. Checkez ça, la belle moustache. Je l'avais dit, je le faisais. Pour ceux qui sont au courant. Sinon, ben, vous voyez le résultat pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, un petit break. Un petit break pour commencer la soirée. Même si c'est déjà commencé avec Hugo, là. C'est parti pour vrai. Avec votre animateur préféré, Fred Bombardier. Donc, un petit break 190, random. Et là, j'ai décidé de ramener la OPC. Happy Chi. Oh, donc Hugo qui a mis de l'argent dedans. Ah. Donc, OPC Platinum is back. Donc, une signature assurée. Ensuite, une petite série de tin. Donc, deux Young Guns et on espère avoir la petite Laffy. La petite Ben, Maxime, je vais essayer de remplir le baseball, bien sûr. Peut-être faire un autre break, quickie quick. Sauf que. Si ça prend plus qu'une demi-heure avant qu'il se remplisse, je vais sûrement aller me coucher parce que. Travail demain. Hein? Donc, bonne chance à tous. On va rouler les dés. Maxime Janson qui vous souhaite bonne chance aussi. Donc 5 fois on doit rouler les dés. Non, 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 non. Ouais. Let's go. Merci, merci. Ah, fuck you. Donc, Sébastien Lanouville se retrouve avec Boston, Buffalo, Maxime Aubin, Nick Gain, Caroline, Connie Grenon, Chicago, petit retour pour Connie, faisait longtemps que je t'avais pas vu, JP Moreau, deux spots, Colorado, gros team, David Vient, Columbus, parce que gros team, Avalanche, parce que dans les Young Guns, il n'y a pas juste Suzuki dans la série 2, t'as Cal Makar. Ensuite, Tristan Gallant pour les Stars, David Vient, Columbus, Félix Grenier, les Wings, Serge Gagnon, Edmonton, David Dussault, les Kings. Maxime Courtois, la Floride, les Canadiens, Nicolas Gain, qui pourrait se retrouver avec une Nick Suzuki, Charles-André Loiseau, Nashville, JP Moreau, New Jersey, Islanders, Simon Bédard, Kevin Ronaldo, les Rangers, Ottawa, Tommy Gagnon, Yannick Gosselin, Philadelphie, Gabriel Bélec-Dupuis, les Pingouins, les Blues, Pascal Laliberté, David Vient, deuxième spot, le Lightning, Toronto, David Lebrun, Maxime Gaudreau, Vancouver, comptez-moi aussi. Ensuite, Washington, Frédéric Gagnon, Gignac, Francis Hamelin, Vegas, Coyote Jets, Charles-André Loiseau, Wild et Ducks, Yannick Gosselin, San Jose Calgary, Tristan Gallant. Ok, donc on va copier-coller ça. Nanana, nanana, et on s'en va au live scene. Et voilà, on va tasser ça comme ça. Et là, je vais vous montrer les boîtes. Les boîtes qu'on va utiliser pour ce break. For that break. Donc, on va commencer avec une petite Young Gun Tin, donc la boîte en métal, la OPC, qu'on va placer ici. Et la E2 Chronologie ici. Et oui, il fallait que j'oublie mon exacto donc, parce que pourquoi? Parce que j'ai reçu d'autres colis Amazon. Comme à tous les jours. Mais c'est un gros break de base là. Pour ceux qui s'intéressent au baseball, c'est vraiment un gros break de base. 4 boîtes, 27$ de spot, c'est vraiment pas cher. Avec une petite Tom Chrome. Donc on va commencer ça, les chummies. Une petite boîte Young Gun. Donc dans la Young Gun, on va avoir un petit paquet bonus. Paquet bonus d'Opichi et bien sûr dans la série 2 on a des dans la série 2 on a bien sûr des Opichi anyway d'un paquet. On devrait avoir deux Young Guns au moins dans ceux-là. C'est sûr que c'est pas une hobby box, hein?
Si on est chanceux, on en a trois. J'ai déjà pogné une Quinn Hughes Canvas. Plus deux Young Gun. Okay, on va commencer par juste. Philippe Zadinin, il se retrouve pas dans la série 2. Il se retrouve dans la série 1. En passant, Maxime. Donc, on va commencer par la OPC. Donc, Ville Enola, qui est un bon défenseur en passant, qui est dans la série 1, malheureusement, habituellement. Et une Victor Olofsson. Et Victor Olofsson est dans la série 1, mais je vous le dis, lui, là, vous pouvez le pacer. Vous pouvez le pacer. Je vous le dis, lui, il va valoir cher. Là, il a la recrue, là. Et une Barrett Hayton. Donc, et voilà. Pour les OPC de base. Et on y va. Donc, dans celle-là, y en a qui en ont pas en passant. Et là, on a une rookie photo shoot flashback. Ouh, et ça commence première carte, une rookie photoshoot flashback material, une Quinn Hughes dans une tin, on retrouve, et la 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 la. Je pensais pas commencer fort normal, je pensais pas mettre la petite tune de John Cena par terre pour une petite tin. Nice one, c'est une belle prise ça mon ami. C'est Quinn Hughes, il n'en sait rien. Mais là, on a une petite chandail, rookie. Nice one. C'est des bases. Comment se faire? Ça commence faire? Nicolas Gaudreau qui est là. Le gars des bisous. Et une Taro Arruzzi. UD Portrait pour les Wings de Détroit. Essaye pourquoi? Je vais y aller à coup de 3 parce que sinon c'est trop long d'essayer rien. Pour ce que ça donne. Ah, oh, mais là, hey. T'as nommé des gars que j'aurais pas nommé, là. Que j'aurais pas pu te dire, ah, oh, il est dans la série 1, il est dans la série 2. J'ai juste fait mon petit Joe connaissant. Qui connaît pas grand chose. Donc, ça se pourrait que. Et on a une petite claim McCostin ici pour Saint-Louis. Tantôt, j'ai sorti une signature de lui dans le gold break. Une corner Timmins, rookie OPC, recrue de renom. Une young gun, Eric Brandstrom pour les Sénateurs d'Ottawa. Une checklist. Une belle boîte à date. On a une belle boîte de tin. On a une belle petite boîte de tin. Une petite boîte de tin. Une petite boîte de tin. Ma moustache est incroyable. Une Gaten Ace ici pour les Oilers d'Edmonton. Ça va vraiment pas bien. Savez-vous quoi? Moi là, j'enlèverais. J'enlèverais le gros. Oh, donc Connor Clifton ici. Recrue de renom pour Boston. Le gros Armia, là, j'enlèverais. Là, je crisserais Toffoli à droite. Puis j'entrerais Corey Perry. Pour jouer à gauche. Avec Kotkaniemi et Toffoli. Ça, je ferais. Ça, soit ce que je ferais. En passant. Oh, une petite. Jacob Voracek ici pour les Flyers de Philadelphie. Yannick Gosselin. Et là, est-ce qu'on va avoir une autre. Hey, on est. Je pense qu'on n'est pas chanceux. On n'est pas chanceux. On a pogné la boîte. Est-ce qu'il n'y en avait pas deux dedans? Oh.
Oh non, on en a une et c'est une Giovanni Smith pour les Red Wings de Détroit. Hey, je pensais qu'on n'allait pas en avoir deux. J'étais déçu. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Quinn Hughes et Romanov, ça ressemble un petit peu. Pour vrai, là, on va se le dire. Là. On va se le dire. Regardez, ça ressemble un petit peu. Là. Check, il est dans même de loin. Là. C'est sûr que vous trouvez qu'il ressemble un petit peu. Là. Check. Je m'en fais le Romanov. Et j'aime le Québec. On est une famille. On est une famille. La OPC. Donc, pour ceux qui sont la première fois, OPC qui appartient à Upper Deck en passant. Hein. Donc, OPC. Et là, on est sûr d'avoir une signature là-dedans. OK. C'est vraiment des belles cartes. Ils me font penser beaucoup à la série là, qu'on va ouvrir tantôt au baseball. La Top Chromes. Top Chrome. Donc, c'est chromé de bord en bord. Il y a des genres de Prism qu'on appelle des Rambo. Mais bon. Je pense que je vais les appeler Prism juste parce que je trouve ça cool les appeler Prism. Ok, non. Signature de Nick Suzuki, let's go. Et on commence avec une petite capo caco ici, recrue de renom pour les Rangers de New York. Oh, regardez, c'est ça, là, la Prism, là. La petite Rambo, là, quand on l'a fait scintiller. On voit toutes les couleurs. Donc, Rambo, c'est marqué en arrière. Pour Sean Couturier, il y a les Flyers de Philadelphie, Yannick Gosselin. Une Victor Olofsson pour les Sabres de Buffalo et Maxime Aubin. Hey, là, ici, on a une recrue de renom, Prism. Donc, pour les Devils New Jersey, on a une petite Rambo. De Jesper Bovisk, le New Jersey, JP Moreau, une Tyra Rosie rookie, donc un peu old school style. Là, c'est des bases. Donc, c'est vraiment, c'est des belles cartes. Je vais le dire, c'est des belles cartes. Donc dans une boîte comme ça, il y a 20 paquets, puis on a une signature. On va avoir des numérotés aussi. Donc vous allez voir, on a des... J'ai tout le temps purple, là, mais c'est pas purple. Là. Mais c'est genre des pixels. Là. C'est genre... magenta, genre pixels. Une Eric Brandstrom. Donc on a eu en Young Gun. Maintenant on l'a dans la OPC Base. Et là, en dessous de ça, en dessous de la Nicolas, on va avoir une Prism, j'ai bien l'impression. Non. Une recrue old school pour les Golden Knights. Et là, on va avoir une Sunset. Une Sunset de Zach Werenski. Donc, Sunset pour Columbus. David vient. Donc, dans celle-là, ce qu'on veut vraiment, là, c'est vraiment un petit Nico Sturm ici pour le Wild du Minnesota. Et on a une Ryan Peeling Calder Front Runners. Bull fucking shit. Yeah, elle mérite qu'on la mette là-dedans, là. Depuis quand il était un frontrunner pour le fucking Calder? Hey, OPC, wake the fuck up! Fucking piece of shit. T'sais, je veux dire, c'est correct que sa recrue, je la respecte, là. Je respecte n'importe quelle recrue. Mais ne fais-moi pas à croire que c'était un Calder frontrunner, là. Et en plus, je parle en anglais, Mick Gain qui est mieux avec la langue de Molière, c'est ça, de Shakespeare. Donc, Joël d'Espérance,
Bass, Sébastien Ao, Old School Opeshi. Patrick Liney Bass, Nico Hichère. Et là, regardez une petite Jacob Trouba. Donc, une genre de Prism. Comment on l'appelle celle-là pour Opeshi? Donc, une Red Prism sur 199. Les Rangers de New York. Jacob Trouba. Le défenseur, la 9e sur 99. Kevin Ronaldo, it's yours. Tiens, on va même la mettre ici. Tiens. Une recrue de renom, Emile Brandstrom. Et on a une petite Rambo. Pour. Donc, petite recrue, une petite Rambo aussi pour Nugget Hopkins. Qui. Ça a pris du temps, mais il est rendu à 27 ans. Puis là, il est devenu un joueur établi qui mérite le salaire qu'il gagne. Hein? Parce qu'on s'entend qu'il était juste un boulet il y a 3 ans, même pas. Ça fait comme 2-3 ans là, qu'il produit. Qui produit de belle façon. Hein? Ben, en fait, même pas. Parce que ça, c'est l'année passée. C'est des cartes de l'année passée. Puis oui, il avait eu sa game l'année d'avant. Mais quand même, je veux dire. Ils font pas ça tout de suite. Tu sais, mettons, c'est pas tous les joueurs là, qui ont une Calder Frontrunner. T'sais, d'habitude, c'est parce que la saison a commencé. Puis ils savent à peu près. Là. Jesper Bovisk, mais c'est juste parce qu'il joue à Montréal. Une John Gibson, Ben, best in the world pour les Ducks d'Anaheim. Une Connor Clifton, recrue de renom. Une Dante Fabro, old school rookie. Une Alex Tuck, Rambo, old school, OPG. Donc une petite Golden Knight Alex Tuck. Et voilà. Donc, là, j'ai hâte qu'on arrive à notre signé, là. J'ai hâte de voir c'est qui la petite signature. Marek Bissonnette qui veut des hits pour les Flyers. Mais pourtant, Marek. Bon, si tu veux qu'il y ait des cartes des Flyers, let's go. J'imagine que Yannick Gosselin, c'est ton ami. Fait que. Une recrue de renom, Barrett Hayton pour l'Arizona. Oh, nice! Une Sunset, recrue de renom pour Cal McCarr et l'Avalanche du Colorado. JP Moreau, belle petite carte, ça. Donc, une variante de la carte recrue base. On va la mettre. Recrue de renom, Philip Myers pour les Flyers. Marek Bissonnette va être content. Une best in the world pour les Pingouins. Gabriel Bellec-Dupuis, Sidney Crosby. Une Vitaly Ablamov, recrue de base. L'Espérance Rambo Prism pour les Stars de Dallas. Et une Pierre-Luc Dubois. Mais là, est-ce que notre signature, ça va être une signature fucking rare numérotée? Parce que là, ce que je vois, on est rendu proche de la fin et on a juste sorti une numérotée. Habituellement, on en a trois, là. Oups. Ouh, le David Gustafsson, recrue de renom, une Matte Pink. Nice. Pour les Jets de Winnipeg. Une Dante Fabro, recrue de renom pour Nashville. Une Prism Rambo pour William Carlson. Une Carey Price, old school style, OPG. Je vais en prendre deux.
une Kucherov base. Oh, nice! Donc, c'est celle-là, la pixel que je parlais. Là, tantôt, j'ai dit purple. Mais regardez bien, ça va être genre violette. Je me trompe tout le temps. Violette. Donc, le 320e sur 399. Une recrue de renom pour les pingouins. Sam Lafferty. Donc, deuxième hit pour les pingouins. Gabriel Bellec. Ça, je vais te mettre ça tout de suite dans un upload. Non, 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 non. Il nous reste deux paquets, toujours pas la signature. C'est excitant, celui-là. Petite base. On va aller voir les autres. Trevor Moore en passant. Trevor Moore. Pour Toronto, recrue de renom. Une petite David Gustafsson, base. Rookie. Une Alexander Barkov, OPG Platinum. Old school. Il reste des bases. Et là, on va aller voir notre signature. Wow! Une rookie auto. J'ai pas vu c'était qui. Et c'est une Ilya Samsonova sur 15! Une Orange Checker! Quel gros hit pour une OPG Platinum! Oh là 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 là! Frédéric Gagnon-Gignac! Wow! Une rookie autour de Ilya Samsonov! Le gardien d'avenir des Caps de Washington! Nice card! Et Polaï! Et ça, c'est sûr! Wow! J'avais oublié qu'il existait, lui-là, en 1920, hein? Tabarouette! OBV, grosse carte! OBV sur le board, celui-là, là! Wow! Hey, OBV en plein milieu, là! Hey, faut qu'on voit les petits... On essaie comment qu'elle est belle, là, même! Super! Parce que c'est ça, tu sais, une auto... Ils garantissent une auto. Puis les cartes, là, la OPG, sont vraiment plus belles que dans la Allure. Là. Je l'ai dit. Et là, on est rendu. On s'en va. Allez, moi, là! OK. C'est correct, là. Non, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Là. Mais... Laissez faire. Je vais garder ça pour moi. Et là, vous préparez-vous mentalement. On s'en va avoir une petite. Une petite capsule, time capsule. Et on a une Eric Carlson à l'époque qu'il jouait pour les Sénateurs d'Ottawa. Hey, merci Phil. Merci Phil. Elle est quand même incroyable. Hein? J'ai pas beaucoup de poils dans la vie. Pour vrai, là. C'était la plus longue barbe que j'avais eue de ma vie. Je suis quand même content qu'elle apparaisse ma moustache. Merci Phil. Ok. Et on a une petite signature ici. Hein? Yes. Un vieux de la vieille. Ed Giacomine. Donc, okay. Bon, 900, 200, près de 300 victoires dans la Ligue nationale. Ed Giacomine pour les Rangers et monsieur Kevin Ronaldo. Kevin Ronaldo. Nice. Là, c'est quand même bien. Petite signature avec les Rangers. Une petite Jacob Trouba numérotée. Ça va bien. Ensuite, on a une petite Andy Green. Capitaine des Devils New Jersey sur le chandail. Donc, Andy Green qui était reconnu
encore aujourd'hui pour son jeu défensif surtout. Donc Andy Green pour les Devils du New Jersey. JP Morrow. Et là, préparez-vous là. Vous allez décider si on l'ouvre ou pas. Est-ce que. Ouh là là! Et est-ce qu'on l'ouvre ou pas? Je suis pas certain, mais pas tout. Parce que là. Regardez qu'est-ce qu'on a là. Elle est numérotée sur 25, c'est la 9e Artemi Panarin. Est-ce que on l'ouvre ou on l'ouvre pas? Kevin, moi j'en me tente pas de parler de prix quand je break là. Fait que. Je me tente pas de te dire si une carte vaut tant ou. Si t'as veut, tu la veux pas. L'important c'est que t'as une belle carte. Est-ce qu'on l'ouvre ou on l'ouvre pas? C'est pas grave si tu l'ouvres pas là, moi je l'ouvrirai pas à ta place. Mais honnêtement, je l'ouvrirai pas. Numéroté sur 25. Et bon, are you sure, man? Because if you want I open it. But it's a 9 on 25. I want to re... I just rechecked. It said open, but I want you to say open again. Say just open, I don't care. Because... C'est toi qui décide, man. Ça me dérange pas de l'ouvrir. Ok, il l'ouvre pas. C'est bon. Bon. Tu fais bien. It's a good decision, my friend. To do not open it. Yes, sir, my friend. It's a good choice. Avez-vous aimé ça, la petite toune? Thank you guys, and I'm the guy who say don't open it. Don't open it. Ok. Prochain. Une Steven Stamkos, c'est la 68e sur 222 pour le Lightning de Tampa Bay. Hulk Hogan, man. Une Josh Morrissey, défenseur des Jets. De Winnipeg. What the fuck is this corn? In the chronology. Josh Morrissey. Nice. Oh ben c'est un peu comme c'est juste que je le connais pas tant que ça, mais dans le fond, tu sais. Moi dans la chronologie, c'est soit des légendes ou des jeunes, ça. Ou des vedettes. Sergachev est encore jeune. Puis lui aussi est jeune dans le fond. Qu'est-ce qu'il y en a en 95, il a 25 ans, c'est un défenseur de 200 games. Belle signature. Hey les Jets, Charles-André Loiseau. Belle carte ça. Je me suis trouvé un peu rabat-joie. On va aller voir la prochaine carte. C'est une masterpiece. De Curtis Lazard, rookie sur 30! Et là là! Curtis Lazard, donc pour les sénateurs d'Ottawa. Donc, Tommy Gagnon. Il me semble que Curtis Lazard, j'ai regardé, puis.
Il a quand même 25 ans, mais Chris, il me semble. Il est bon, man, non? C'est pas si payé, là. Il me semble qu'il est pas payé, lui. Ça, la dernière nouvelle, il est bon, là. Ben, ça dépend, Kevin, qu'est-ce que tu veux faire avec. Si ton but, c'est de vouloir faire de l'argent avant l'heure. Si ton but, c'est d'être gambler ou l'heure. Si ton but, c'est de collectionner. C'est sûr que quelqu'un qui collectionne une Panarin, qui fait une PC de Panarin, lui, il est très prêt à avoir cette carte-là, je te dis. Et là, il reste une seule carte à aller voir. One, only one. It's the last hope for everything. Everyone, and I think it's. And I think it's a diamond relic. And it's a diamond relic, Austin Matthews! Et voilà, Austin Matthews! Et voilà, Toronto! David Lebrun! Diamond Relic, la dixième sur 36! Incroyable! Et regardez, on va la mettre! Oh! La balle est prête par Lecoq! Adrien Camusson à gauche! Ok, ici on regarde ce qu'on a eu depuis le début. Ok, on est allé au début dans une petite tin de Young Gun. On savait pas trop ce qu'on allait avoir. On était surpris. Une petite Young Gun de Eric Brandstrom. Ensuite, une petite Giovanni Smith. Et qu'est-ce qu'on a eu? Une rookie! Jack et Quinn Hughes! Un morceau de jersey! Hein? Et là, après ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une petite New Jersey Andy Green signée. Une Cal McCarr Sunset Rookie. Mais là, dans notre. Je l'ai oublié, là. La Elias Samsonov, là. Auto. Sur 15 seulement. Washington. Rookie. Wouh! Hey! Wouh! Frédéric Gagnon-Gignac. Wow. OK. Ensuite, on a eu ensuite une petite. Hey, je suis tout mélangé. Une Jacob Trouba, les Rangers. Une Sam Lafferty, Violet Tepper, Pixel sur 399. Ensuite, on a eu la petite signature de Josh Morrissey. On a eu la signature de la légende de. Non, il n'y a pas eu de légende. On a eu la time capsule d'Artemi Panarin sur 25 seulement. La 9e print. On l'ouvre pas parce que rien, c'est sur 25 puis c'est une Panarin. On a eu une Edge of McKamon, Curtis Lazar Rookie, Masterpiece. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on a eu? Une Austin Matthews Toronto Diamond Relic sur 36, la 10e print au total. Et là, si j'ai bien compris, est-ce que Kevin Ronaldo est en train de me dire de l'ouvrir? C'est ça que j'ai bien lu, là. I change for my capsule. Kevin Ronaldo qui dit Good Negril. Fait que je viens que ça veut dire Good Night. Bon, je comprends pas trop. En tout cas, je vais laisser ça de même. Bref. Passez. Une bonne soirée. Mais bon. Seb, c'est pas grave. Boston. Des fois, c'est faible. Mais il y a des gars qui ont déjà vendu d'un spot de Boston. Il m'a vendu 30$. Il fallait 10$ de profit. Qu'est-ce qui est sorti dans le bruit? Bobby Orson. Maintenant, les leçons, les amis. Et je vais sortir un autre break, probablement. Je vais essayer de remplir le baseball. Hey, à tantôt!